Salut les amis, bon aujourd'hui, dans le Berger Bricoleur, on va s'occuper de la dalle de béton et on va la lisser avec cette machine, un rabot béton à molette carbure. Parce que il y a des bosses. Et encore, là je vous ai montré la pierre, mais il y en a partout, 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 partout. Bon, ça c'est des plots à meuler, mais il y a des traces de truelles partout. Voilà. Donc le but de la journée, c'est que tout le fond là, de la grange soit bien lisse pour poser le carrelage. Parce que les machines-outils de mon grand-père arrivent bientôt. Et pour ça, on va avoir donc le rabot. Et j'ai mis en place cet aspirateur magique avec un tube fait maison pour évacuer toute la poussière. C'est un souffleur à feuilles au début. Parce que là, ça va être sévère. Et à chaque fois qu'on a fait sur les autres parties du carrelage, on a fait des petits ponçages à la meuleuse et c'était une horreur. Une horreur, la poussière. Mais une vraie horreur. C'est-à-dire, genre, en 3 minutes, on voit plus la porte et en 5 minutes, on étouffe, quoi, même à travers le masque. Pour vous montrer un peu pourquoi je fais ça, parce qu'ici, j'avais un peu raboté quand même. Mais malgré les rabotages, on a été obligé de casser volontairement certains carreaux qui sont sur des bosses, en fait. Donc, il y a une bosse et le carrelage, pour pas qu'il dépasse trop ici, là, on l'a cassé volontairement. Et le problème, c'est que dès que j'essaie de poser un escabeau ici, bon, au milieu ça va à peu près, mais là sur les bords, il tient jamais sur ses 4 pieds, quoi. Toujours que 3 pieds qui touchent. Et comme après je vais avoir des machines-outils et que je vais essayer de mettre des choses sur roulette, ça va être vraiment galère. Donc le but aujourd'hui, c'est de niveler ça correctement. Voilà, et puis on va aussi capturer des oiseaux, ça vous dit? Voilà. Ah oui, hein. Donc la machine que je viens de louer est un rabot béton. Avec un moteur de 3 chevaux, grosso modo là-dedans il doit y avoir une courroie ou une chaîne. Et en dessous, une espèce de roulette à molette carbure de folie furieuse. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà! Un truc qui avoine sec. Alors je sais pas exactement comment ça marche, mais au bruit que ça faisait, ça avait l'air très très violent. On va regarder ça. Bon, là, il n'y a pas d'aspirateur, alors ça va chier. Ça va chier. On va prendre le masque et l'aspirateur. Hein. Voilà! On voit pas bien, mais ça rabote. Ça va quand même prendre beaucoup de temps. Hein. Ça va être la grosse galère! Voilà, c'est parti pour la galère. Donc pour l'aspiration, l'aspirateur à feuilles, avec sur la sortie 16 mètres de tube. Vous êtes prêts? On va l'allumer. Ça va faire un peu de bruit dans la caméra, je suis désolé. C'est parti! Voilà! Normalement, ça devrait le faire! Donc, ici, les points roses sont les points à la hauteur 0, on va dire. Et comme vous pouvez le voir, ou pas le voir, il y en a peu des points à la hauteur 0. Ça a été fait au niveau laser quand j'en avais un. Autant vous dire qu'on va en chier. Je crois que je l'ai déjà dit, hein. On va en chier. Voilà, donc ma chérie te commande. C'est parti. Thank you.
Voilà, il est à peu près 17h30. Après une dure journée de labeur, le sol est à peu près poncé aux endroits qui en avaient besoin. Un mix entre le rabot béton et la meuleuse. On va passer un petit coup d'aspirateur, je crois qu'il y en a besoin. Donc l'aspirateur custom de la mort. Donc le rabot béton, quand même, pour vous montrer un petit peu, on a balayé, et la meuleuse. Alors, la meuleuse, c'est un disque comme ça, qui fait une finition très très lisse. Mais énormément de poussière. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on a ramassé au balai, comme poussière. Il en reste plein par terre. Hein. Plus ce qu'on a ventilé dehors, quoi. Donc beaucoup plus. Et non, le carrelage n'était pas blanc. Bon, voilà, c'est fait. J'ai ressoufflé la charpente, donc il y a encore quelques petites poussières par-ci par-là. Mais la dalle est plate. Je vais pouvoir rendre la machine de mort au loueur. Et passer à une activité beaucoup plus amusante, c'est-à-dire faire du carrelage. Non, je déconne, c'est pas beaucoup plus amusant. C'est chiant aussi de faire du carrelage. À plus, les amis.